Dimanche 28 août 2016, l'association Cublac par ses chemins a organisé sa randonnée annuelle VTT et marche. Ça fait déjà quand même 4-5 ans que je le fais à Cognac, la rando. À Cublac, pardon. À Cublac. Oui, c'est un nouveau circuit, ils vont essayer de faire varier, mais c'est pas facile ici de trouver du plat, donc je pense que ça va être costaud encore cette année. Ça va être costaud. Vous êtes venu en équipe? Oui, en équipe, on fait partie du VTT Club à Saint-Pantaléon de l'Arche. Vous êtes venu en voisin? Voilà, en voisin, oui. Après un café, l'accueil des bénévoles, les inscriptions ont eu lieu à la salle polyvalente. Et vous faites le plus court là ou vous faites le plus long? 35. Oh, hein, bravo. Merci. Puis, là, vous êtes bien équipés, motivés. Oui. Les vététistes se sont lancés les premiers à 8h30. Les nombreux participants ont pris le départ pour 20, 35 ou 50 km à VTT ou pour 8, 10 ou 15 km en marche ou trail libre. Oui, donc on a trois circuits de marche, 8 km, 10 km ou 15, et vététistes, pareil, 20, 35 ou 50. Donc 20 km avec 500 mètres de dénivelé, 35 km avec 1000 mètres de dénivelé, et le 50 qui fait 1500 mètres de dénivelé. C'est réservé à des vététistes aguerris qui en font régulièrement parce que oui, c'est un circuit quand même assez physique. On voulait essayer de faire un circuit accessible à des enfants, donc on voulait faire un 20 km facile et on a du mal à trouver du plat. On n'a pas de plat ici. Donc pour nous échauffer, on part avec une portion de route assez longue et après on attaque par les choses qui fâchent. Voilà. Non, mais et puis donc on a pour les 20 km un poste de ravitaillement. Pour les 35, ils ont 3 postes de ravitaillement et le 50, 4 postes de ravitaillement. Ils sont répartis sur le circuit. Combien de bénévoles à peu près? Une quinzaine de bénévoles. Entre les ravitaillements, donc les motos qui ouvrent le circuit, des vététistes qui ferment chaque circuit, des marcheurs qui ferment aussi. Et il faut du monde et même on n'en a pas assez. D'ailleurs pour dérubaliser, l'année dernière on avait des quads, cette année on n'en a plus. Donc il faudra faire ça dans la semaine, on va faire ça lundi soir, mardi soir, peut-être mercredi soir. C'est la randonnée de l'année pour le Cubac par ses chemins. C'est ça, on en fait qu'une par an. L'ancien président en faisait deux. Nous on a préféré se concentrer sur une. Et pour l'instant, écoutez, ça marche bien. Chaque année, on fait plus de 200 vététistes et plus de 100 marcheurs. Cette année, a priori, j'ai pas les résultats, mais je pense que c'est pareil. Tant mieux. On avait peur de la chaleur, c'est pas le cas. Il fait plutôt frais et il commence à pleuvoir. On a peur pour les ravitaillements. On n'a pas prévu. On avait les tentes, on les a pas mis. On a dit on n'en aura pas besoin parce qu'on va crever de chaud. Mais non, c'est pas ça, c'est la pluie. Oui, c'est l'invité de dernière minute. L'invité de dernière minute, oui. Bon, on s'en serait passé. Bon, si ça reste comme ça, ça va aller. Il faudrait pas qu'il nous tombe un gros orage. Le casse-côte à l'arrivée. La bière, l'apéritif. Voilà, il faut reprendre des forces après tout voilà, ça. Voilà, des forces et un peu de convivialité dans tout ça. C'est où? En face. Alors les gars, là, qu'est-ce qu'on veut faire? À l'année prochaine pour les belles randonnées, VTT et marches de Cublac par ses chemins. On espère qu'on ne va pas se mouiller maintenant, je crois pas. Il n'y a pas tellement de flotte, mais bon, c'est à dire. Allez, go, c'est parti.